dit, je t'ai mis KO avec 12 000 personnes connectées. Aujourd'hui même, je suis en train de renchérir. J'ai encore plus de vues. C'est-à-dire, les gens pensaient que tu avais les papos, tu n'as rien. Tu es la dernière de la classe. Et tu resteras toujours la dernière de la classe. La preuve, quand j'ai fait mon direct, j'ai dit, j'ai la photo de son père. Montrez-moi une capture où j'ai mis la photo de son père. Au fait, je voulais l'amener à savoir qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre. Une vieille photo depuis 1900 Toé de papa de Makoso. Du coup, j'ai le papa. Voilà les papas. Notre papa est pauvre, ses enfants sont riches. Notre papa est au village, ses enfants sont en Europe, c'est pas la même chose. En fait, j'étais testé un peu. Je n'ai même pas mis la photo de ton papa parce que je suis une personne digne. J'ai fait une direct avec 12 000 personnes connectées. J'ai dit voilà ton papa, j'avais sa photo. Je n'ai jamais mis la photo de ton papa parce que ce n'est pas ton papa. Le monsieur que tu montres, c'est notre papa, il nous a reconnus. Le monsieur que tu montres, c'est nous notre papa. Ce n'est pas un papa lâche qui enceinte une femme et puis qui dit que je ne reconnais pas la grandeur de la femme. Tu vois la différence entre toi et nous. C'est que le monsieur que tu es en train de montrer est un monsieur responsable, est un monsieur intelligent, est un monsieur mature. Ce n'est pas le faustron de père qui enceinte une djandjou et qui dit je ne reconnais pas la grossesse. Au moins, les Makoso ont un visage d'un père. Les Makoso, ils ont un parent, ils ont un papa digne qui met son nom sur l'acte de naissance. La différence entre notre mère et toi, ta mère, c'est que nous, notre mère, elle est la reine, Boutinana. Elle couche avec un homme et puis l'homme dit, je reconnais la grossesse. Toi, ta mère, elle a plusieurs clients, on couche avec elle. Mais on ne reconnaît pas la preuve. Ton propre père ne t'a jamais reconnu. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Tu es en train de toi-même te plonger. Je t'ai dit que tu es la dernière de la classe. Je fais un papo, on est à 8000 personnes. Je parle sans faire monter une blogueuse, même pas ma sœur. J'ai les vues que je veux. Mais toi, tu es obligé de chercher. Tu es obligé de chercher. Venez, oh, venez, oh. Alors que tu n'as rien. Que des mensonges. On te dit, apporte la preuve. La seule preuve que tu as eue, parce que tu es une illettrée, c'est de dire que oui, Lolo Beauté n'a pas de société. Vous voyez comme un ment. C'est-à-dire, moi, ce que je dis là, il n'y a même pas eu un mensonge qu'on a pu déceler. Donc, tout ce que j'ai dit là, je dis que ton père, soi-disant père qui t'a mouru, il t'a jamais reconnu. Vrai ou faux? Vrai. Son nom ne figure pas sur ton acte de naissance. Tu ressors pour vouloir discuter avec ta maître en disant que ma société est fermée et tu t'assois avec une aisance de mensonge. Maintenant, je mets maintenant la preuve que ma société n'est pas fermée, elle existe. De vous à moi, qui est la menteuse. C'est-à-dire tellement que moi j'ai dit la vérité, je te dépasse partout. 12 000 cas, quand tu vas arriver à 12 000 cas, en ce moment précis est venu te framponner. Je ne te framponne plus parce que j'étais trop couché. Vous savez, quand tu frappes quelqu'un, quand la personne est couchée là, la personne, oui, j'étais papa, oui, aïe Yahweh, je t'ai toujours dit, je ne suis pas tes camarades, que avec qui tu as discuté là. Tes camarades que vous discutez, vous vous limitez à un certain nombre de vues là. Ce n'est pas moi. Je suis ta reine Poutine. Je ne vais même pas t'insulter ce matin. Je ne vais même pas mettre la photo de ton papa. Lorsque j'étais en train de le filmer avec Calebasse, il était en train de pisser sur lui. Je ne vais même pas mettre, tu sais pourquoi? Parce que ce monsieur n'est pas ton père. Ton père n'existe pas. Donc pour la tranquillité de ce monsieur, pour la paix de ce monsieur, la différence entre moi, je n'affiche pas les parents d'autrui. Tu vois? Montre-moi un seul papa où j'ai montré ton papa. Ici sur TikTok, ça n'existe pas. Parce que nous, les enfants Makoso, nous sommes des enfants bénis de Dieu. Le monsieur n'est pas responsable de ta malédiction. Le monsieur n'est pas responsable de ton échec. Ce monsieur n'est pas responsable de ta prostitution et de ton léléa refrain.
Donc, je ne peux pas venir attaquer ce monsieur-là, non. C'est-à-dire, moi, je parle. Je ne m'aime pas le visage des gens. Tu vois, tu tombes dans le piège. Tu es tellement une menteuse. Ce monsieur-là, c'est ton mougousseur. Tu en fous bien, c'est celui-là même qui t'a enceinté. Donc, je ne vais pas venir faire passer papa de quelqu'un d'autre pour être ton papa, non. On m'appelle la déconstruction. Je déconstruis tout. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous dis pas si ça là c'est un buzz ou bien c'est une réalité. Nuance. 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 Mais je vous dis que dès à présent, il y a la paix. Vous allez voir des deux camps. Il n'y a pas maintenant palabre. C'est fini. Lolo Beauté instaure la paix. Il y a la paix maintenant. Papa Nera, il y a quoi? Tu as fui parler où? Hein? Papa Nera, tu as fui parler où? En tout cas, voilà ta belle-sœur, tu prends la poutre d'escampette. Hein? Ton visage froissé. On dirait, quoi que ce soit là, ta femme, sa bouche longue, on dirait souris musaraigne. Vous fouillez pour aller où? Lolo Beauté maintenant vous dit, mettez la tête dehors. C'est ça qu'on appelle le contrôle des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui dirige les réseaux sociaux. Et personne d'autre. On m'appelle la reine Poutine. Donc vous avez intérêt à sortir. On ne dit pas d'injure. Bon, ok. Papa Mera. Mera. Yé bisangaye. Papa Mera a pris la poudre d'escampette. Papa Mera a trouvé que c'était faux. Papa Mera sort. Papa Mera t'es où? Papa Mera oh. Maman Nema. Mais tu es où? Oh tata Lolo Beauté a tenu la chandelle seule. Vous voulez être des acteurs de la télénovelas. Et puis vous fuyez. J'ai dit sortez maintenant le quartier de sortie. Papa Mera, maman Nema, vous partez où? Les Congolais sont où dans la place? Yé bisangaye. La télénovela c'est chico. La télénovela avec tata Lolo Beauté. Elle mène l'ambiance. Elle insulte. Elle clash. Et puis personne ne peut l'affronter. Eh, papa Mera sort. On doit maintenant s'affronter face à face. Papa Mera, j'ai dit, le face-à-face, c'est pour quand? Tu fuis par les ouf. Quand tu vois contre Congo, j'ai dit, sors, papa Mera. Je t'attends. Ta gueule, on est amis. Ta gueule, papa Mera. Je vais lui montrer ce qu'on appelle télénovelas. Ce qu'on appelle la reine Poutine des réseaux sociaux. Didier Poutine, là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça chauffe pas. Ça grimpe seulement. Je veux que vous mettiez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire gagne toujours. 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 C'est moi qui allume et c'est moi qui éteins. Ça chauffe pas. C'est moi qui allume et c'est moi qui éteins. Donnez les détails. Je veux voir en commentaire la poutine et puis casse les papos. Je veux voir en commentaire la poutine. Et puis, je veux casser les papos. On a 7600 personnes connectées. J'ai dit, maman a 12000 cas bloqué le compteur. Ça chauffe pas. C'est ça qu'on appelle maîtriser le game. C'est ça qu'on appelle diriger le game. C'est ça qu'on appelle tu es la poutine. Parce que ce que tu dis, les gens sont obligés de décortiquer maintenant. C'est ça qu'on appelle la télénovelas. Est-ce que vous avez aimé? Il y a eu des sensations fortes. Il y a eu des injures calamiteuses. Il y a eu des choses qui ont réveillé l'attention des gens. Mais je vous dis, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous. Parce que c'est là que la télé va s'amuser. Vous n'avez rien compris avec ta Lolo. Wouhou!
géré par Tata Lolo Beauté. Ça chauffe pas. Est-ce que vous voyez un peu le haut niveau? Je vais voir les cadeaux pour que je puisse parler. Hein? Je maîtrise le game. C'est moi qui ai dit.